Amazon Chine connaît une évolution très rapide, puisqu'après 3 ans de fermeture liée au Covid, elle vient de se réouvrir. La Chine continentale, en effet, a ouvert ses frontières depuis début janvier. Et donc, désormais, les sociétés françaises peuvent pouvoir revenir sur le marché chinois et prospecter le marché chinois. Donc, nous considérons que l'année 2023, après une période un peu difficile pour l'économie chinoise l'an dernier, va connaître une relance très forte. Les secteurs porteurs pour les entreprises françaises, ils se situent d'abord dans les biens de consommation, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans l'art de vivre. Il faut savoir que la Chine comporte aujourd'hui la plus grosse classe moyenne au monde, avec près de 500 millions de consommateurs, ayant un pouvoir d'achat relativement élevé désormais. Et donc, ils sont très friands de nouveautés, de produits français. La marque France compte beaucoup pour eux. Et puis au-delà de ça, la Chine, c'est aussi un laboratoire de nouvelles technologies, de nouveaux services, très important, y compris pour des entreprises dans le domaine industriel ou dans la tech. Et donc, dans tous ces domaines, nous avons des opportunités à proposer aux entreprises françaises qui souhaitent prospecter le marché chinois de façon globale. La Chine, c'est un marché incontournable pour les entreprises françaises qui veulent venir en Asie.